salue M. le maire qui nous accueille à Bessin, M. le ministre Fontes, M. Connel, DMD, nouveau DMD de l'Hérault, M. l'ambassadeur Paul Blanc, les camarades présidents d'associations diverses, mesdames, messieurs, les chanteurs de Bessin qui vont nous aider un peu à chanter du mieux que nous pourrons, l'organiste qui est tout en haut, et puis tout le staff de l'église, dont Mme Lydie Estournay. Nous voilà donc réunis dans l'église de Saint-Pierre de Bessin. Cette église a appartenu au moine bénédictin de Saint-Tibéri, pratiquement sans interruption, du XIe siècle à la Révolution française. Telle que nous la voyons, elle a été bâtie pour l'essentiel au XIe siècle, les chapelles du chœur au XIVe et XVe. Agrandie au XVIIe siècle, on y fit entrer la lumière au XVIIIe, en ouvrant les fenêtres hautes de la nef. Puis vous regardez aussi, pour ceux qui ne sont pas d'ici, vous pouvez voir que les plafonds en bois sont magnifiques. Les vitraux du maître verrier Louis-Victor Gestin sont du XIXe siècle. Au XXe siècle, du peintre verrier Henri Guérin. Au clocher de l'église est suspendue la plus vieille cloche du département, fondue, pardon, en 1388. Madame Mireille Montès accompagnera notre messe sur les très belles orgues de Baptiste Pouget, restaurées récemment par Bertil Soutoul. Nous commémorons aujourd'hui le 142e anniversaire des combats de Bazeilles, lieu où 2500 marsouins ont trouvé la mort dans des combats furieux les 31 août et 1er septembre 1870, sur le chemin de l'honneur et du sacrifice, au service des armes de la France. La messe sera célébrée par M. l'abbé Jean Barthès, curé de la paroisse Saint-André, chemin de Romieux, paroisse qui regroupe les clochers de Bessin, Florensac, Pinet, Pomérolles et Saint-Tibéri. Né en 1948 à Saint-Pons-de-Thomières, Jean Barthes a fait son service militaire au Centre national d'entraînement commando de Mont-Louis en 1970-71, avant d'être ordonné prêtre en 1974. Je ne peux reprendre toutes les affectations du père Jean en presque 40 ans de sacerdoce. J'en cite quelques-unes. Aumônier des lycées, curé de Cazouls-les-Béziers, vicaire épiscopal de la zone du Biterrois, successivement curé de Bédarieux pendant 12 ans, et de la paroisse du Minervois 6 ans, et maintenant curé ici depuis 2 ans. L'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint et la force du Christ soient toujours avec vous et avec votre esprit, qui ont libéré et défendu Bazeilles, en communion avec tous ceux et celles qui ont donné leur vie, par amour de la France, par amour de la liberté. Présentons-nous devant Dieu ce matin, disponibles à sa volonté. Épître de Saint Paul aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, et s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. En ce jour, en nous faisant mémoire des troupes marines, des marsouins qui ont libéré et défendu le village de Bazeilles, ce matin, remercions Dieu pour tous ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants aux troupes marines de Bazeilles de nous avoir montré un chemin de vie, un chemin de don de soi-même, total, sans retour.
Mais rappelons-nous ceci, comme les marsouins de Bazeille nous le rappellent. Celui qui marche vers l'honneur, celui qui marche vers le don de sa vie, n'est jamais seul. Que Jésus nous aide à comprendre cela ce matin, en communion avec cette foule d'hommes et de femmes qui ont osé l'honneur de leur vie et qui nous entraînent à leur suite. Amen. Accueille aussi, Seigneur, nos camarades décédés récemment, Alain Viltoni et Henri Pouzerg, le général Le Boudec et le commandant Élie de Noix de Saint-Marc, tous deux grands soldats d'une noblesse de caractère exemplaire. Nous t'en prions, Seigneur.
Seigneur.